c'est Julien. Alors aujourd'hui, on est à Corcelles, chez Surfleur, et on va rencontrer Sonia. C'est une apprentie horticultrice. C'est parti, on y va. Alors là, on est avec Sonia qui va nous montrer comment on sème des graines. Je vais faire un quadrillage. Je vais partir de là, comme ça. Puis après, dans ce sens, comme ça. Puis s'il m'en reste, je peux finir en diagonale. C'est un travail de précision, en fait. Ouais, on peut dire ça. D'accord. Si j'ai bien travaillé, elles sont censées toutes pousser. Ah là, j'y connais pas grand-chose. T'as l'air d'avoir plein d'outils. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ouais, ouais. Alors ça, c'est une dame, une règle et un tamis. Et je vais t'expliquer comment on va les utiliser. Donc là, j'ai mis mes graines. Et donc, je vais un peu damer pour qu'elles se mettent bien dans la terre. Maintenant, je vais prendre le tamis. C'est pour les recouvrir. Ah, ok. Comme une passoire géante, en fait. Ouais, un peu. Et avec la règle, je vais scier. Donc, faire des petits mouvements comme ça. Pour enlever le surplus? Voilà. Okay. Et puis, que ça soit bien propre. Alors, maintenant, je vais arroser. Donc, je commence à côté pour voir comment ça coule. Puis, je passe gentiment. Donc là, tu vas voir toutes les semis qu'on a pu faire. Puis la petite étiquette pour savoir ce que c'est. Je vais prendre des dahlias. Donc ceux-là, on va les repiquer. On va déjà venir ici un peu la soulever. On fait la place, le trou. On la met bien au milieu. Et puis on resserre. Quand tu tires à peine, il ne faut pas qu'elle vienne avec, quoi. T'aimerais essayer? Ah ben volontiers. Tu fais la place pour le trou. Ok. Ouf. Faut qu'elle tienne droit quand même. Alors essaye de la tirer un peu gentiment. La tirer un peu? Ouais, tu vois là, t'as pas assez pressé. Faut bien faire gaffe aux pouces pour pas qu'ils se cassent ou qu'on les déchire ou quoi que ce soit. Donc ouais, moi je voyais pas du tout ça comme ça. Je pensais plutôt que c'était un peu moins de la précision, quoi. Alors maintenant je vais continuer ce que j'étais en train de faire avant que t'arrives. Donc je prépare les pansées pour les mettre dans les couches dehors. On les a laissées là pour éviter qu'elles gèlent. Je les mets dans les caisses et je les nettoie. Je regarde si elles sont fanées ou comme ça, je retire la fleur. Bon, en tout cas, merci de nous avoir montré ton métier. Je vais repartir parce qu'il commence à faire un peu chaud. Ciao. Ciao.